Chips Ketchup. T'es nul, mec. Joueur patate. Appelez les flics. En fait, c'est illégal. Et j'ai rien fait. Ah non, eux, il faut se battre au point là-bas. Comme il capte rien. Je suis furtif. Allez. Quelle vie pourrie. Merci. J'ai sauvé l'otage. Elle va pas de ouf la meuf hein. Elle est pas super en forme. Hein. Comme ça, je vais pouvoir vendre directement ce que j'ai volé. Hop. 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 Non, ce chapeau, il est stylé. Il y a 10 000 trucs de l'eau plate. Franchement, la moitié des trucs... Franchement, je vole vraiment tout pour rien. Vraiment, je suis un voleur de ouf, quand même. À la base, je voulais aller chez un charcut... truc, là. Oh, j'ai des silencieux et tout. Mais j'avais jamais vu que j'avais tout ça, en fait. J'avais vu, j'avais tout ça. Le charcutoc, comment on y va? Il a l'air d'être sous terre. Oh, pardon. Mais non, mais j'ai 10 000 trucs. Tu lis pas le lore que tu récupères? Non. Non, pas tellement, non. J'aimerais améliorer mon matos. Ok.
Asseyez-vous confortablement et nous pourrons commencer. Alors. Je veux des bras de ouf, moi. J'ai pas assez de répute. Des poumons bioniques, pourquoi pas. Allez, un petit système immunitaire, système nerveux, on a quoi? Viser et tirer en esquivant. Ralentit le temps quand vous bloquez. Trop stylé. Là, on a rien qui nous sert. Non, non plus. Bah, franchement, je suis bien là. Je suis pas mal. Faut que je cours vite. Comment je vais là-haut? Prends les escaliers. Putain. De toute façon, je vais sûrement refaire le jeu derrière. J'aimerais bien juste finir l'histoire principale. Pas du tout ce que je voulais faire. Non, moi je suis un joueur patate, hein. Je suis pas un joueur couteau en fait. Donc ça c'est bien sympa. C'est cool d'avoir un couteau. Et je veux surtout des patates. Il paraît que t'as fait une promo. Merde. Grenade. Ah ah. Hey. Tout va bien, c'est bon. Justice a été faite. Double saut, tiens, il y a le double saut dans le jeu. À mon avis, ici tu vas soit prendre ton pied, soit te prendre une bastos. Les paris sont ouverts. Qu'est-ce que j'ai raté cette fois? Éclaire-moi. Miss Danse Sensorielle nous cache quelque chose. C'est pas un hasard si on a déjà vu deux Tiger Claws. Ils doivent contrôler le bâtiment. Tiger Claws, c'est les deux que je viens de défoncer. Tu penses que Jody ment? Pourquoi? Un truc appelé l'intuition, V. T'en as déjà entendu parler? Mais mec, t'es une clé USB, enfin, c'est quoi ton intuition? Prendre une poupée gonflable et la baiser, c'est tromper ta femme, être infidèle? Non! Enfin... En quoi c'est différent de se faire un cul dans une maison de poupée? Ça l'est, parce que le cul est en viande, pas en latex. Qu'est-ce que tu piges pas? En viande? Ouais, c'est ça. Ça pense pas, ça réfléchit pas, c'est pas conscient, c'est vide, comme du latex. De la branlette sophistiquée, voilà ce que c'est. Oh, putain, mais...
Et t'as carrément raison, en fait. Fin de la conversation. Putain, c'est un banc anti-SDF. Bienvenue au Clouds, où nous savons ce que vous recherchez. Pourriez-vous vous connecter au terminal ? Allez, c'est parti. Ce sera une séance en direct, alors les événements pourraient vous surprendre. N'arrêtez pas tout de suite si vous êtes mal à l'aise. Vous pourriez manquer quelque chose de vraiment remarquable. Et là, c'est tatouage. Si vous ne vous sentez pas prêt à affronter la suite, vous pouvez interrompre immédiatement la séance. Votre mot de sécurité, allez-y. Samouraï. Voilà, c'est enregistré. Je vous demande juste... Mais c'est un donjon SM. Je scanne votre profil personnel. Vous devriez voir les poupées compatibles sous peu. Deux correspondances. Intéressant. C'est normal ou bien... Qui peut dire ce qui est normal ? Vous êtes quelqu'un d'unique avec des goûts uniques. Notre système est prévu pour ça. Alors, qui choisissez-vous ? Angel ? Vous êtes le Tinder Sky du cul, quoi. Angel me plaît bien. Je n'aurais pas Je sais plus tout ce qu'elle est, là. Il ne vous reste qu'à payer. Et ensuite, direction les nuages. Je cherche Evelyn Parker. Elle travaille ici ? Un instant, je vous prie. Evelyn n'est pas disponible pour le moment. Faut que je la voie. C'est important. L'algorithme ne se trompe pas. Croyez-moi, il vous choisira une poupée qui vous ravira. Nos poupées peuvent changer la couleur de leurs yeux et de leurs cheveux en temps réel, selon vos souhaits. Je veux juste lui parler, c'est tout. Voyons, ne vous en faites pas. Votre poupée vous parlera de tout ce que vous voudrez. Putain, mais la meuf, tu veux pas me vendre de tapis aussi ? Désolé. Elle a enfin dit quelque chose d'utile ? On s'en fout du menu. Envoie chier cette serveuse. On apporte notre commande direct au chef. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que t'entres comme client et tu fais profil bas. Ils veulent pas dévoiler leurs cartes ? Très bien. On va jouer suivant nos règles. Et voilà. C'est cher, hein, 500 balles. Le paiement a été accepté. L'étage est à votre entière disposition si vous désirez d'abord vous détendre. Angel vous attend dans la cabine 6. Je vous laisse vous déconnecter. Et tout ? Toutes les armes sont strictement interdites au Clouds. Veuillez me confier tous vos objets dangereux. T'es sérieuse ? De toute façon, j'ai mes poings avec moi. Il y en a que deux qui veulent écarter les cuisses pour toi. C'est triste. Va te faire mettre. Je m'en fous, j'ai mes poings. Vincent. Ah, ça. Angel, c'était le mec. Je suis Angel. Ton ange. Appelle-moi V. Juste V. J'autorise que ceux que je connais vraiment à utiliser. Ouais, le mec, il s'est pris pour qui, là ? Mais... on ne va pas tarder à vraiment se connaître, mon chou. Ok, vas-y, je t'en prie. Épate-moi. Je sais que t'es en train de mourir. Comment tu sais que je suis mourant ? Au fond de toi, cette peur, c'est ce que tu crains le plus. Et après ? Qu'est-ce que ça peut te faire ? Parmi toutes les voix dans ta tête, la plus forte est celle qui appelle à l'aide. C'est pour ça que tu es là. Regarde autour de toi. Dis-moi ce que tu vois. Non, mais tuez-moi. Il y a quelque chose dans les miroirs. Tout au fond. C'est une projection.
ton paysage intérieur. J'avais bien besoin de ça. Une thérapie avec un prostituée. Travailleur du sexe psychanalyste. Je ne vais pas faire ton analyse. Bah ouais, visiblement. Je ne cherche pas à te tromper. Mon seul but est de satisfaire ton besoin le plus profond. Écoute, je cherche une fille qui bossait ici. Evelyn Parker. Tu la connais? Tu sais où elle est? Tu dois élargir ton horizon. Tu accordes trop d'importance aux détails insignifiants. Comme Evelyn. Arrête de faire comme si tu me connaissais. Je veux juste des réponses. Mais es-tu sûr de poser les bonnes questions? Bonjour. Comment veux-tu changer ce qui est déjà arrivé? Il n'y a qu'une bonne question pour l'instant, celle que je t'ai posée. Où est Evelyn Parker? Je suis un bourgeois, je suis pas là pour négocier. La responsable a dit qu'elle bossait plus ici. C'est quand la dernière fois qu'elle est venue? Tu sais quelque chose? Tu trouveras les réponses à toutes ces questions par toi-même. Putain, mais t'es sérieux? Comment ça, ce qui est arrivé? T'as quelque chose à me dire? Ce qui t'est arrivé à toi. Ce que tu gardes enfoui en toi et que tu ne révèles jamais à personne. Et c'est quoi? Oh, allons. Tu sais bien. J'ai fait confiance à quelqu'un. Il m'a baisé la gueule. Ça s'arrête là. Mais tu n'attends rien de bien des gens. Ben non. Non. L'homme est un loup pour l'homme. Tu voulais laisser quelque chose derrière toi. Une part de toi-même. C'est comme ça que tout a commencé. Tu voulais qu'on se souvienne de toi. Ouais. Je voulais gravir les échelons, devenir quelqu'un. Je le veux toujours. Mais je crois que c'est pas près d'arriver maintenant. Mais si je dois crever, je veux qu'on se souvienne de moi. Même une note de bas de page, ça me suffirait. Et après ça? Tu crois que la mort consiste simplement à disparaître et puis, pouf, plus rien? Oui. Je serai détruit. Je sais tellement où ça va. Tu n'en sais rien du tout. Non. Mais disons que j'ai eu un aperçu. Cette pensée ne te rend pas triste? Pas plus que quand je vois la pluie dehors, ou qu'on annonce la disparition d'une autre espèce. Eh bien... Ah, c'est un peu écolo. Moi, je trouve ça triste. Tu ne souffriras plus d'anxiété, et tu ne seras plus présent pour en profiter. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est le moment où je te dis ce que tu dois faire. Ok, vas-y alors. Tu n'as jamais reculé devant rien. Alors ne t'arrête pas maintenant. Ne fais pas un seul pas en arrière. Dans cette ville, les gens meurent pour un bâtonnet de scope à l'épicerie du coin. Mais ce genre de menace ne t'a jamais arrêté. Tu fonces tête baissée. Le mec, je le connais depuis 5 minutes, quoi. Samouraï. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as interrompu la session? J'ai fait quelque chose de mal? Tu n'étais pas satisfait? C'est-à-dire que... Evelyn Parker, qu'est-ce que tu sais sur elle? Voilà, un objectif. Attends. Quand même. C'est pas comme ça que ça marche. T'as pas le droit de me poser des questions, genre... sur la maison de poupée. Je pourrais avoir de gros ennuis. Va-t'en. S'il te plaît. Je dois on savoir... On sous-doit les pauvres. Moi ton prix. Elle est pas là. Et je la connaissais à peine. Je peux pas t'en dire plus. Je sais me montrer généreux. Fais un effort. On doit rien accepter des clients. Tout doit passer par les responsables d'équipe. Je peux pas juste... Mais personne est venu la chercher? Il s'est rien passé d'inhabituel? Il y a eu... un incident. Avec un client. Je suis pas au courant des détails. On pose pas ce genre de questions ici. Tom en sait peut-être plus. Evelyn et lui étaient proches. Va lui demander. Et oublie que je t'ai parlé, d'accord? Ce Tom, c'est qui? C'est qui, Tom? Evelyn. Ils passaient tout leur temps fourrés ensemble. Où est-ce que je peux le trouver?
Il bosse comme poupée dans la section VIP. Cabine 2. Merci. Allez. Ne demande plus jamais à me voir. Plus jamais. Je peux pas rentrer? Comment ça? Mais moi je peux. La fête va commencer! Oula! Qu'est-ce que vous voulez? Du calme, t'auras pas d'ennui. Cause un petit peu. Ah, il peut tirer à travers, le bâtard! Ouais, Evelyn. Je dois lui parler dès que possible. C'est important. Vous avez un problème avec elle? Non. Tu sais où elle est ou pas? Elle est pas ici. J'ai essayé de l'appeler plusieurs fois, mais elle répond pas. Il paraît qu'elle se fait poser une nouvelle plaque faciale dans une clinique à Osaka? Non, Oslo. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est Evelyn elle-même qui t'a dit qu'elle partait? Non, elle s'est pas pointée au boulot. Et elle décrochait pas non plus. Alors j'ai demandé à Woodman ce qui se passait. Et c'est là qu'il m'a dit qu'elle était partie. Ce Woodman, c'est qui? Monsieur Forrest. On l'appelle tous Woodman. J'ai jamais compris pourquoi. Ok, et ce monsieur Forrest, homme des bois. C'est qui? Forrest. C'est un peu notre protecteur. Il trouve de nouveaux talents. Il règle les problèmes. Est-ce que ce Woodman va enfin nous expliquer tout ce bordel? Ah, on peut toujours rêver. L'éponge dans le crâne de ces poupées. Oh, c'est ça qu'il faudrait remplacer. Mais mec, t'es trop intelligent en fait. C'est où la sortie? C'est où la sortie? C'est où la sortie? C'est par là? C'est pas là? Je vais te faire la peau! Je peux récupérer mes affaires ou... Ils sont vraiment très cons. C'est assez saisissant d'être aussi cons. Seulement il y avait un moyen d'appuyer sur le bouton de la porte. Ouais. Ennemis capturés.
Comment t'es arrivé là, toi? Un genre patate, mon gars. Leur fringue. Sors de là. Oui, ragazzi. Allez. Tu veux bah, j'ai laissé mes armes à l'entrée, mais j'en ai pas besoin. Il y a une batte de baseball qui vole. J'ai sauté par-dessus le comptoir, il a rien vu. Dommage qu'il n'y ait pas moyen d'agripper les gens sans les... Même une fois que t'es repéré, tu puisses pas les agripper pour les dégommer. Ok, d'accord, il y a un mec là. Comment je rentre là-dedans? Déjà, t'attends que je vole tout. Putain, comment je l'ai mis cher. Pas les trucs à voler. T'es qui? Qu'est-ce que tu veux? C'est moi qui pose les questions. Allez, lâche ton cracheur et commence à parler. Mais pas de baratin surtout. Et je t'ai demandé de lâcher ton arme. Oh, je lâcherai que dalle. Il a du PV, lui.
Et maintenant ? Je sais pas, scanne ses yeux de poisson. Tu trouveras peut-être la vérité. Ou alors, fouille son PC. Ça pourrait marcher. Putain, mais t'es relou toi hein. Et on vole tout. Tout ce qu'on peut voler, on le vole. Elle a laissé son sac. Peut-être qu'elle en a plusieurs. Toutes ses affaires sont dedans. Elle a dû partir en vitesse. Invité. Mmh. Vraiment jeune. Il l'a vendue à un charcudoc. Sa puce était foutue. Il l'a peut-être envoyée pour la faire réparer. Un charcudoc appelé Fingers. Dans une ruelle de putes, ça doit faire fantasmer toutes les putains. D'accord. Bah écoutez, t'en passes des choses. Discretos. Mais qu'est-ce qu'il divise en doux, lui ? Bon, je crois qu'on va pas avoir le choix. Attends, mais du coup, j'ai pas un katana ? Je suis un weeb ! Mais mec, quand tu vois que tu tues tout le monde, plutôt que tu te caches. Sinon tu sais que je vais te défoncer en fait. Thank you.
Vas-y. J'aurais pu mieux viser que ça quand même. Ok, ça marche bien. Je suis dans l'obligation de vous rendre vos armes, même si ça ne me plaît pas trop. Je sais rien, moi, je travaille juste ici. Eh bah, tu vas me rendre mes armes déjà. Grabuge. Tu crois qu'elle est chez Fingers? On va la trouver là-bas. Si je pouvais voir l'avenir, je serais pas un putain de fantôme sur une puce dans le cerveau d'un cadavre ambulant. Et ça. Tu crois qu'elle est chez Fingers? Non mais je veux prendre l'ascenseur. Si je pouvais voir l'avenir, je serais pas un putain de fantôme sur une puce dans le cerveau d'un cadavre ambulant. Merci. Putain, les burritos XXL, c'est pas cher. Je crois que je suis en galère un peu. Putain, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Putain, ça avance pas assez vite. Tu vas crever avant qu'on apprenne comment se débarrasser de la puce. Ah, moi la paix! Pour que tu deviennes la pute des Arasaka? C'est simple, si j'y vais me buter. Bien, ça t'arrangerait que je crève. Putain, mais je pensais que t'avais compris que j'avais changé d'avis. Je veux que tu vives. J'en ai connu des tarés. Mais toi, tu bats des records. J'avais besoin de calme pour réfléchir. Et je me suis dit que, vu qu'on me donnait une deuxième chance, j'allais en profiter. Pour vivre ta vie à fond, aller voir les aurores boréales, courir avec les mécatos, ou faire un safari avec les gazelles. Pour finir ce que j'ai commencé, Johnny est de retour. Je veux détruire Arasaka et je vais avoir besoin de toi. Ça me ferait marrer si j'avais pas aussi mal. Écoute, j'ai des infos. Je sais où on peut te sauver la vie. Et qui peut nous aider? Toi, on t'enlève la puce. Et moi, je démolis Arasaka. Tout le monde y gagne. Mais il nous faut le tueur d'âme. Et pour ça, on doit accéder à Mikoshi. Tu sais que je te fais pas confiance. On le fait pas confiance de ouf. Hein. Alors pourquoi je suivrais ton plan? On rappelle qu'on est un bourgeois qui a un intermittent du spectacle dans son cerveau. Parce que tu sais que la mort te colle au cul. Il y a comme une dissonance. Donc, si t'as fini d'y aller, je peux t'expliquer. Ça te va?
Non, pas vraiment, non. De toute façon, tôt ou tard, on devra passer par Mikoshi. C'est bon, t'as autre chose à dire. Alors crache le morceau. Des expériences sur le cerveau humain, il y a 50 ans. Mikoshi est le seul endroit sur Terre où ils ont fait ce genre de truc. Ah, c'est Mikoshi, c'est un endroit, c'est pas une personne. Et ça doit encore être le cas. Crois-moi, c'est là que tout va se jouer. C'est là qu'on va régler nos problèmes. Toi et moi. Je me sens un peu mieux maintenant. Alors va-t'en, j'ai un truc important à faire. Un dernier truc. Tu savais ce qui se passe, tu savais ce qu'on fait quand on est pas en forme. Halt, Cunningham. Tais-toi. Dégage, je t'ai assez entendu. Ok, c'est pas grave, tu finiras par m'écouter. En attendant, te fais pas tuer, ok? Allez, on essaie de faire une mission d'infiltration. Astro Logistique pour le sub. Merci à toi. Bon, beaucoup. Merde! Oula! 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 Dommage. Hein. Ce que j'aime bien dans Far Cry, c'est quand tu peux jeter des cailloux pour attirer des gens. Il y a des prédictions sur mes infiltrations. A-t-il décédé avant 18h ? Ah bah oui, évidemment. Écoutez, on se la retente furtif là.
En plus, je sais qu'il y a moyen de l'avoir. Attends, mais... Il y a un autre... Lui, je l'ai pas noté, lui. Tu vois, il y a moyen que je peux y aller. J'ai rien vu. Ils sont beaucoup trop. Meurs-toi là-bas. On va pas avoir le choix. Bon, alors, lancer de grenades, ça détourne l'attention, certes, mais ça attire aussi tous les ennemis. Point de clivage, point de rupture assez important. Ok, donc tentons la fin. Oh,
出てこい。聞こえてんだろ。あらら、ils veulent pas se laisser faire. T'es un peu bloqué sous le sol, mec. Ok. Lui, c'est un peu laissé faire tout seul. Ah mais non, lui, c'était l'otage. C'est ça, non? Mission pour moi. Réussi. Attendez, il y a du grabuge là-bas. Comment est-ce que c'est possible?